Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Amen. Comme le chanteur s'est déplacé, si on doit chanter un cœur. Alléluia. Amen. Et avant cela, vous avez les salutations de tous les frères et sœurs de Gaïa. Amen. Ils vous aiment. Ils vous portent tous dans leur cœur. Amen. Et leur souhait, ils veulent que vous priez beaucoup pour eux. Vous priez pour l'assemblée de Gaïa. Vous priez pour le village. Parce que c'est dans un village que Dieu a envoyé ses serviteurs. Et que Dieu permet pour que son nom soit glorifié là-bas. Alléluia. Il va le faire. Parce qu'il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait autrefois. Dans les contrées de Jérusalem, il a Judée, en travers les canaux qu'il a mis en eux, les disciples, les apôtres. Et que Dieu a confirmé sa parole, il le fera. Alléluia. Il va le faire parce qu'il a dit dans sa parole. Je vais demander au chanteur Ignace nous donner ce cœur là qui dit les jours de noces arrivent après de toi. Les jours de noces arrivent après de toi. Nous allons disposer parce que tout à l'heure par les recueillements et c'est de chacun. Il a dû méditer ses paroles, a déjà reçu les exhortations. Alléluia. Que Dieu bénisse son Seigneur. Les jours de temps s'arrivent près de toi. Les jours de temps arrivent près de toi. Sois Yeah,
toi fidèle. Oh, l'ancien des âges. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Toi, la lumière des hommes. Toi, la parole. Je bénis ton nom ce matin. De ce corps, tu nous as rassemblés. De ce corps, tu nous as convoqués. De ce corps, tu as permis à chacun d'être assis sur ses chaises. Seigneur, ce n'était pas permis. Pourquoi nous serons là ce matin? Mais à cause de ta grâce, tu nous as donné la force. Parce que tu as quelque chose à nous dire. Pourquoi nous soyons des enfants selon ta parole? Je te recommande à cœur. Je te prie, Père. C'est toi qui les as convoqués. Je te prie de disposer leur cœur et de parler à leur âme. Seigneur, j'arrive, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Donc, on est allé de la parole. Oh, Jésus. Ils ont vu. Et ils ont défié la parole de Dieu. Mais en ce matin, tu nous demandes, toi, frère, toi, ma fille, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Éternel, nous te prions de disposer toutes choses et de parler à tes enfants que nous sommes, afin que notre Dieu, les élus que nous serons, en passant notre Dieu, que je sois avec toi, que je sois avec toi, que je sois Abraham, que je sois Moïse. Oh, laissez ce que mon dévancé. Bénis ce moment et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vrai, c'est Dieu qui permet que son œuvre s'étend. Je pourrais dire un jour, c'est vrai, on parle de grand Yacob, mais je ne suis pas digne d'être à grand Yacob. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. En tant que l'homme, quand je reste dans mon titre homme, je ne suis pas quelqu'un que maintenant même qui doit peut-être aller à grand Yacob. Je me suis dit, mais je trouvais mes dévanciers dans la foi. Je suis venu hier, je les ai trouvés. Et puis Dieu dit, toi qui es venu hier, il faut partir à venir. Je lui ai dit, Dieu, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Moi qui suis venu hier. Qu'est-ce que je peux donner à grand Yacob? Non, peut-être que ce n'est pas moi, peut-être que j'ai dû tromper. Regarde encore au milieu de ceux, mes grands frères de la foi. C'est eux-là qui seront mandatés à partir. Personnellement, dans la chambre, j'ai commencé à faire ces grandes prières. Et puis, Dieu dit, c'est toi qui partiras. Mes frères, Dieu a permis, le temps est arrivé, puis je suis parti. Que son nom soit béni. Et ce matin, il a voulu que je sois là pour aussi communier avec vous. C'est vrai, dans tout ce qui a été fait avec toujours son serviteur, le ministre de la parole, que j'aime beaucoup, hein. J'aime tous ceux avec qui on travaille. D'aller commencer. D'Arthur, de Joël. Mais je dis toujours que c'est pas parce que je suis arrêté au niveau de vous, mais quand je suis assis normalement, tout seul, je dis que c'est un canal qui a un grand cœur. Et tout le monde, encore étant à grand Yacob, tout seul, j'étais assis à l'église, à l'inculier. Je me suis mis à genoux. Et puis, j'ai commencé à couler les larmes.
Alléluia. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai dans ta mission, dans ton œuvre, c'est vrai que tu choisis quelqu'un, mais tu fais de sorte que il y a des personnes qui sont des modèles. Je suis ici. Mais maintenant que le corps qui t'a donné à ton serviteur, que je l'aime. Sinon, ça ne serait pas facile. Je parle de ton serviteur, Ado et Michel. Il a une grande œuvre. C'est ce que la vie Dieu a donné. Et Dieu permettra de donner ce cœur à toujours, à tous ceux qui fera son mieux. Et aujourd'hui, j'ai bien venu dans ce cas pour donner la parole divine. C'est vrai, je suis qui tu es au mes frères. Mais qu'est-ce que je peux donner encore du plus? Qui sera bien pour eux. Vendredi, on m'a dit. Samedi, on est parti faire son œuvre en partant dans la famille. Oui, le maison, notre frère. Et j'aime bien notre Dieu, la soeur maison. Vraiment, soeur, que le Seigneur te bénisse. Et Dieu te donnera le désir de ton cœur. Mais sois patiente. Ne te presse pas. Dieu te presse pas. Alléluia. Et puis, on a fait son œuvre. Et on a vu ce que Dieu a fait. Et Dieu est grand. Je vais à la maison, je me réponds, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux donner à ton peuple? Qu'est-ce que je peux donner? Et puis ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu. On va prendre premièrement le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Et fais la lecture. Est-ce que j'ai de temps en temps l'apôtre va m'aider? Et pour le moment, je fais la lecture. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons prendre Jean chapitre 13. Verset 17. Jean, chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Et voilà, par ce passage, Dieu a réussi à nous dire ce matin. Il veut parler à notre cœur que lui-même connaît. Et nous qui suivons que nous voulons faire des notes, vous êtes heureux si, avec mon interrogation que j'ai mis, parce que le passage de Jean 13, verset 17, il dit, vous êtes, si vous savez cette chose, vous êtes heureux, pourvu que vous la pratiquiez. Et j'ai dit, vous êtes heureux si. Avec votre éducation. Nous devons être heureux. Et nous voulons être heureux. En tant que les enfants de Dieu. En tant qu'un homme sur la terre, il désire être heureux. Si aujourd'hui je posais la question pour dire qui ne veut pas être heureux sur la terre, il n'y aura pas peut-être même, je ne sais pas, un seul homme, si Jésus doit être homme, qui peut se lever. Parce que chacun d'entre nous désire être heureux.
Déjà, du fait de lorsqu'on lui demande, quand il voit les hommes, c'est-à-dire politiciens, il voit des gens, des hommes d'affaires, il prend quelqu'un parmi eux qu'il admire. Aujourd'hui, j'ai mon fils, le fils de mon frère Bertin, lui, il dit je suis président. Parce que quand tu vois, il s'habille comme un président. Avec une porte verte, il dit c'est le président du porte verte. Voilà les gens qui à son passage. Voilà celui lui, il prend comme son admirable. Il veut être président. Donc, il veut être heureux. Pour lui, je trouve qu'un président est heureux. Et quand il est habillé, il est bien, bien habillé et il est bon. Alléluia. Et il y a des pensées de ce petit, de cet enfant, qui vient d'arriver hier. Et nous, nous allons dévancer. Ceux qui l'ont dévancé, ceux qui ont pu le fréquenter, chacun est en train de faire son programme. Pour dire même que le Seigneur, le Seigneur, grand et de l'heure, de tel secteur. Pourquoi? Il vient de Dieu. Donc, personne sur la terre ne cherche pas à être malheureux. Alléluia. Maintenant, pas heureux, tu vas travailler. Un homme qui est heureux, qui va être heureux sur la terre, il sait qu'il a travaillé. Il ne peut pas dormir à la maison, et puis du matin, je vais être heureux. Et puis il est couché. Et puis il est dans sa maison. Et puis il va être heureux. Moi, je ne pense pas que ce temps-là sera heureux. Parce que toi, tu es là pour te lever, pour te chercher, pour aller travailler. Si tu n'as pas le travail, tu as oublié de frapper les portes. Pour rendre heureux d'abord ta famille, toi-même tu vas te lever, tes enfants vont être heureux plus tard. Mais si tu dors, que tu ne travailles pas, mon frère, tu ne seras pas heureux. Et je sais que chacun se battra et se bat inutilement. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'empêcher pour être heureux. C'est pas ça? Tu vous avez des amis, des gens, des amis, et quel ami va te donner un conseil pour dire non, mon frère, il faut laisser la maison. Si tu restes à la maison là, tu seras heureux. Est-ce que tu vas accepter cela? Tu ne pourras pas accepter. Tu as dit, mais moi, viens-moi comme ça. Demain, j'aurai une famille. Demain, je dois vraiment faire mon foyer. Mais si tu ne me cherches pas, comment je vais rendre heureux ma famille ou ma femme? Alléluia. Et là, il est obligé de se battre. Tu le manges son corps. C'est les autres. Donc, chaque matin, même les frères que nous sommes. Matin, tu te lèves et tu te vas, après une manière de prier. Pourquoi? C'est parce que tu cherches à être heureux. Alléluia. Amen. La manière, tu vis comment? Tu es en train de te poser la question. Tu es en train de chercher pour te rendre heureux. De cette manière aussi, tu vois que je serai cela spirituellement. Amen. Dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, elle est le seul livre conseillé pour les hommes que nous sommes. Ceux qui l'ont appelé à lui. Mais il dit, pourquoi il n'a pas le même? Il va faire quoi? Quand nous prenons la parole de Dieu, il dit toujours que ce livre est le seul livre au monde. Le seul livre par lequel le monde est assis. Parce que par ce livre qui est la Bible, les gens ont fait leur, c'est-à-dire, comment on peut appeler, leur programme. Ils ont fait leur le mot qu'il y a tout à l'heure. Alléluia. Ah. Ils ont fait leur constitution. Par ces livres. C'est à partir de ces livres, même chaque foyer arrive à faire son programme. Mais la Bible dit, dans Somme, chapitre 1, à partir du verset 1, heureux soit l'homme qui ne marche point pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qu'il a médité jour et nuit. Voilà d'abord la condition. Pour un homme véritable, un enfant de Dieu que nous sommes, nous devons s'asseoir où il y a la convocation de notre Dieu. Il dit pourquoi toi et moi, nous serions heureux. Et que nous rendons notre famille heureuse. Voilà ce que tu dois faire au départ. Là, parce qu'il a dit à Josué, pour que tu arrives à réussir dans ta vie, ne te détourne point de ses conseils, de ses lois, que tu as appris en travaillant dans le serviteur Moïse. Tu vas les méditer. Tu vas les mettre en pratique. Tu ne dois pas t'en détourner ni à gauche et ni à droite. Alléluia. Et la Bible dit, si tu veux être heureux, ma soeur, si tu veux être heureux, mon frère, ne marche pas selon les conseils des méchants. Oui. Et tu vas te poser la question, mais je suis déjà en Christ, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais comment encore je peux arriver à marcher dans le conseil des méchants? Ça, c'est aux enfants de Dieu que la Bible parlait là. Et c'est le conseil en travers son serviteur, le psalmiste, que Dieu donnait le conseil à ses enfants. Oui, lui étant homme, il est sur la terre. Et il a connu les merveilles de Dieu. Il a vécu à des hommes, païens comme chrétiens, enfants de Dieu, et qui crient Alléluia. Et puis il dit aux Anna, on attend le retour de Jésus-Christ. On veut aller aussi. Et tout à l'heure, on a dit dans Matthieu, pour nous clarifier, pour nous donner réellement notre position, il a dit, ce n'est pas tout ça qui me dit, Seigneur. Donc tout le monde dit Seigneur. Tout le monde dit Dieu. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu rencontres quelqu'un, lorsque tu vas lui parler, il va dire, moi aussi, je connais Dieu. Moi aussi, je connais Jésus. On n'a pas passé, il a posé une question à une jeune fille. Lorsque, à Gaïapo, j'étais à l'église et puis, c'est-à-dire le tour là, les gens passent beaucoup, c'est un chemin hein, de raccourci. Dans la poule même, c'est un chemin de raccourci. Au lieu de faire le tour, il passe là. Donc j'étais là et puis, je l'ai appelé pour qu'on échange. Et puis elle dit, connais-tu Jésus? Elle dit, oui, je connais Jésus. Il dit, bon, je veux qu'on échange sur la personne que tu connais. Elle dit, bon, je viens, je me vais mettre c'est-à-dire en charge mon portable. Et puis elle est partie. Bon. Elle dit, va le venir. Jusqu'à toi, elle n'est pas encore devenue. Donc elle vous dit quoi? Tout le monde connaît Jésus. Mais la Bible dit, mon frère, ma soeur, pour être heureux, il ne faut pas marcher dans le conseil des méchants. Mais qu'est-ce qui est méchant? Qui est méchant? Le méchant est celui qui fait le contraire de ce qui est bien. Le méchant est celui qui fait le contraire de ce qui est juste. Le méchant est celui qui fait le contraire de la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui là qu'on appelle méchant. Le méchant est dans le monde, mais aussi on peut avoir un méchant dans, en Jésus. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Pourquoi? Quand nous revenons à la parole de Dieu à qui il a donné à son serviteur le prophète, il dit qu'il y a trois sortes de chrétiens. N'est-ce pas? Et même quand nous revenons dans la Bible, du côté de la semence, et la Bible dit que la semence en tombant dans les rues, c'est-à-dire sur les pierres, dans les épis et sur la bonne terre. Aujourd'hui, ces trois personnes qui se trouvent dans la maison de Dieu, là aussi parmi eux, il y a des méchants. Parce que si tu arrives déjà à faire le contraire de la parole de Dieu, et selon ce que tu es en train de faire pour ton frère sans l'aimer, la Bible dit que tu es méchant. Amen. Un jour, je méditais, je lisais les brochures.
Et puis, le prophète disait aux auditoires qui étaient assis là, et à tous ceux qui vont l'écouter en travers, les cassettes, de lui pardonner. Mais il est obligé de dire ça. Parce que c'est Dieu qui veut qu'il dise ça. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il croit. Et c'est ce qu'il fait un chrétien. Pourquoi aujourd'hui nous arrivons à se connaître qui je suis, qui j'adore. Et là, le méchant, c'est pas prière. Pour dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas son frère. C'est un méchant. Parce que Jésus m'a dit, si vous ne levez pas vos frères, vos frères que vous voyez, et que vous dites que non, vous adorez Dieu, que vous ne voyez pas, vous êtes dit menteur. Ça fait le contraire de la volonté de Dieu. Et le menteur devient méchant. Parce que celui qui n'aime pas est un meurtrier. Alléluia. Amen. Il est dans le même groupe que celui qui vient prendre quelqu'un. Alors le meurtrier, celui qui n'aime pas, est celui qui fait toujours des plans, des programmes pour mettre son frère, sa soeur dans un piège. Donc il est méchant. Et la Bible dit de ne pas marcher à cette personne-là. De ne pas suivre ses conseils. Et là, tu vas être heureux. Mais si tu ne veux pas être heureux, c'est dans ça que tu vas te mettre. Quelqu'un même qui s'élève. On va continuer. Mais on a oublié de citer ces choses-là. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible est un enfant de Dieu. Celui qui est déjà converti. Converti, c'est quelqu'un qui était dans les anciennes choses où il était avant. C'est-à-dire la base de celui qui fait des petits groupes pour délivrer d'autres personnes. Et la Bible dit que tu es quitté dans ces choses-là. Et tu es devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit, pour être heureux maintenant, il faut maintenant rester dans la parole de Dieu. Qui délivre les choses dans lesquelles tu dois marcher. Mais toi, tu viens, tu apportes cela dans tes anciens et tu fais des petits groupes pour délivrer tes frères et tes sœurs. Et lorsqu'on t'exauce, tu restes toujours dans la même position. La Bible dit que tu es méchant. Alléluia. Il faut qu'on dise, selon la parole de Dieu, c'est ce que Jésus a permis que ses serviteurs puissent le dire. Parce que tout est écrit. Et la Bible dit que ceux qui à qui il a donné sa parole là, ils doivent dis ces paroles. Et tout est écrit. C'est donc par laquelle je prie. Pour que mes frères et sœurs, que ce livre de la loi des évangiles, vous qui savez lire, payez la Bible, prenez la Bible, c'est moins cher encore. Prenez-moi, j'aurais cassé les prix. Si tu n'as pas de Bible, prenez-moi, j'aurais cassé les prix. Alléluia. Si tu vas au terminus ici, au nombre de 05, va là. Il y a tout ça depuis la Bible. Il y a 2000 francs, il y a 3000 francs, il y a 4000 francs, il y a 5000 francs, et puis tu restes à mort. Donc, si tu as 2000, tu peux aller lire la Bible. Parce que dans un peu de temps, vous voyez, la prophétie elle est accomplie. Dans un peu de temps, il va arriver où ce moment de trouver cette Bible là vont s'arrêter. Oui. Donc dès maintenant, va en procurer de ta vie. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quelqu'un qui pêche, c'est pas aller pêcher la ligne dans l'eau. C'est quelqu'un qui fait du mal. Voilà. C'est-à-dire pour ta matin, il dit, soit tu t'arrêtes là, et puis chez toi dans ta maison, au lieu de prier pour tes frères, au lieu de chercher à mettre en pratique les conseils de Dieu, toi tu te lèves le matin, tu finis tes brosser, et puis ça vous prend un frère. Mais si tu es seul, tu es en train de passer mal de lui. Mais quand tu es avec ta soeur, ou avec ta famille, vous prenez un frère, et puis vous le décortiquez jusqu'à ses orteils. Et puis c'est là, ce jour-là, vous dépassez votre journée. La Bible dit,
faut pas s'arrêter avec ces personnes. Retire-toi de cela. Si tu es dans ça, présentement tu te trouves. Tout à l'heure, la Bible, le jour de l'homme a pris l'ombre de toi. Ça va auprès de nous. Les jours de l'homme arrivent après chacun d'entre nous. Là où tu te trouves, là, tu es en train d'entendre la parole de Dieu. Ce qui va te permettre à te tailler pour que tu arrives à avoir les vêtements blancs de noces propres. Pour que là, ton mari puisse bien t'accueillir, ton époux, et puisse t'embrasser. Mais si aujourd'hui, ce qui va te permettre d'enlever tes robes, où il y a nettoyé ta langue, que tu ne prends pas attention, et que tu ne veilles pas là-dessus, Dieu dit que le jour il va passer. C'est ce que la parole de Dieu a dit tout à l'heure. Oui. Il y avait Dieu que le premier peuple a dit, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Quand tu regardes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu lis? Les gens sont là pour dénigrer leur pasteur, mais leur qualité de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Et c'est ce qu'on fait. La Bible dit, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un mot cœur. Ceux qui se moquent de nuit et jour, de leurs frères, de leurs soeurs. Mais quand nous prenons la parole de Dieu au temps des apôtres, de l'Église primitive, la Bible dit ces frères-là, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils étaient tous ensemble. Et là, ils n'ont pas dit qu'ils arrivaient à se moquer de leurs frères, quel que soit leur argument, quel que soit leur comportement. Mais la Bible dit qu'ils étaient ensemble, ils adoraient Dieu. Et quand il y a un frère qui est dans une situation qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ensemble, en un commun accord, comme ils ont crié à ce Jésus-Christ, ils s'approchent du frère pour l'aider pour qu'il puisse en sortir. Et c'est ce conseil-là que Dieu nous a donné. Il dit, si tu vois ton frère dans une situation qui ne glorifie pas le nom de Dieu, approche-toi de lui. Si tu lui as parlé, il t'a écouté. Dieu merci que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de la veille en nous. Mais si tu n'as pas écouté, va avec une autre personne. Jusqu'à trois fois. Mesdames, souvent, nous on fait son dimanche, on va 4 fois, 5 fois. Alléluia. Et puis maintenant, on envoie vers les anciens qui sont la parole de Dieu. Les ministres de la parole de Dieu. Oui, ça vous dit qu'on veut aimer nos frères. Mais on ne doit pas les aider à rester dans leur comportement qui ne glorifie pas le nom de Dieu, que Dieu appelle les méchants. Tu ne peux pas permettre à ton frère, à ta soeur, de venir chez toi à la maison et puis venir, au lieu de te rendre visite en prière, comme la Bible nous interpellait, mais il vient et puis prend le nom d'un frère pour dire, bon, ah, notre frère a des problèmes, viens prier pour lui. Tu ne dis pas. Mais là, tu commences à le dénigrer. Alléluia. À Grand-Yavon, il y avait un frère comme ça. Bon, je suis arrivé. Mais on dit, ce frère-là, lui, il part de coup en coup pour insulter les serviteurs de Dieu. Donc, quand je suis arrivé, il est parti voir un frère et une soeur. Lui-même, il ne vient pas à l'église. Hein. Il ne vient plus à l'église. Et puis, il dit, bon, on va voir que celui qui est venu là, si lui aussi, vous voyez, il fait la même chose. Lui là. Bon, Jésus-Christ, il a dit, il faut que Dieu me fasse grâce, même si je peux trouver bague, 2000 francs, je vais les mettre là. Alléluia. Parce que c'est perdu lorsque j'étais ici, il travaillait, et puis la bague de Maria, elle est quittée. Donc, il dit, mais voilà. Mais il n'a même pas de bagues. Il est marié. Il s'est dit qu'il est marié dans la bouche, mais il va venir chercher encore les filles du village. Vous allez voir. Donc, souvent, quand moi je suis à l'église, la porte est ouverte. Vous voyez, c'est le même dispositif. Les bancs des soeurs, et puis vraiment les bancs des frères. Bon, comme il n'y a pas de bureau, donc quand un frère vient ou une soeur vient,
Quand la soeur vient, je lui mets sur les bancs des soeurs. Et puis moi, je suis assis sur les bancs des frères, d'une distance. Or, les bancs des soeurs, c'est tout juste à la porte, et à la grande porte. C'est-à-dire, quand tu passes même, tu vois tous ceux qui sont assis là. Donc, je dis, bon, toi, tu es venu, c'est vrai, il faut t'asseoir là-bas. Et puis moi, je suis assis sur les chaises des bancs des frères. Là, on pose. Donc, ceux qui passent, ils voient la femme qui est assise. Bon, moi, je suis de l'autre côté. C'est vrai, moi, on ne me voit pas, mais on sait que c'est le pasteur qui est là. Bon, pour un peu enlever dans leur esprit, pour dire que moi, le pasteur est rentré avec. Il y a une fille qui est venue tout à l'heure. Hein. Donc, il est en train de parler avec lui là-bas. Mais on ne voit même pas la fille là. Mais on entend leur voix. Mais comme ils voient la fille, donc ils me voient. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, pour moi, je dis que bon, ils voient la fille. Alléluia. Amen. Mais ben, j'ai pris des livres en partant pour enlever tout ce que tu as. Je vais avoir pas dit. Amen. Donc la Bible dit, et qui ne s'assère point en compagnie des pécheurs, même qu'il trouve son plaisir dans la loi de Dieu, et qu'il la médite jour et nuit. Mais la Bible dit, ce qui est important pour toi, ce qui sera meilleur pour toi, pour que tu sois heureux. Quand tu rentres dans le conseil de la parole de Dieu, il faut prendre plaisir, il faut être content. Pour le mettre en pratique, être la vie. Parce que la méditation, ça te permet de t'enseigner. Ça te permet de te mettre sur le point réel, sur le bon chemin. Ça te permet d'éviter les mauvaises choses, d'emprunter la mauvaise voie. Mais si tu arrives et tu regardes mal le contraire de ce que d'autres personnes qui ont vécu ces choses, mon frère, tu ne seras pas heureux. La Bible dit au peuple d'Israël, quand il a donné les 10 commandements, le premier a dit, peuple d'Israël, je suis l'éternel votre Dieu, celui qui vous a fait sortir de la servitude. Et je vous conduis pour vous envoyer sur la terre promise, où coule le lait et le miel. Vous ne n'aurez plus un autre Dieu sur la terre. Vous ne pourrez plus faire brassage des dieux étrangers par le peuple que je chasserai devant vous. Vous adorerez un seul Dieu. Et vous ne serez plus les représentants, les représentations des images taillées. Des choses qui sont en haut, en bas et en bas de la terre. Vous ne pourrez plus adorer ces choses-là. Mais adorez moi le véritable Dieu. Alléluia. C'est là. Et la Bible dit qu'il faut connaître ton Dieu pour mieux l'adorer. Mais Dieu nous se fait connaître à travers ses serviteurs. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas qui il est, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Je crois qu'en fait, tu ne peux pas choisir un ami si tu ne le connais pas. Alléluia. Et c'est le même Dieu. Notre Dieu a des exigences. Parce qu'il veut que si tu vas marcher avec lui, en le connaissant, tu vas connaître ses exigences. C'est-à-dire, tu vas connaître son nom. Tu vas connaître ce qui ne le plaît pas. Ce que tu dois faire pour qu'il soit content avec toi, tu vas le connaître d'abord. Mais à d'autres aujourd'hui qui font quoi tout, qui ne cherchent pas à connaître ce Dieu. Or notre Dieu se fait connaître dans sa parole. Par lui-même en envoyant Jésus-Christ. Il est dans sa parole. Mais pourquoi que le peuple arrive à le connaître davantage, c'est lui qui a mis en ses hommes qu'il a choisi. C'est donc. Comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, il dit que il a fait de ces personnes en qui il a mis les dons, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Nous allons lire. Alléluia. Si vous savez ces choses, vous serez heureux.
Éphésiens, chapitre 4, on va lire rapidement. Bon d'accord. Lisons le verset 1. Alléluia. Et il a donné les autres, comme apôtres. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés de tout bon doctrine, de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà la parole de Dieu. Donc, peut-être la Bible dit, celui qui méditera la parole de Dieu, la loi de Dieu, voilà ce qui va devenir, parce qu'il a mis sa loi là, en travers ses serviteurs, qui doit faire connaître Dieu à ses hommes. En connaissant Dieu, tu vas mieux l'adorer. Tu vas mieux marcher avec lui. Amen. En marchant avec lui, tu sauras qu'est-ce qu'il n'aime pas, mon frère. Et aujourd'hui, je suis convaincu. Les serviteurs de Dieu que tu as emmenés vers vous, ils ont bien suivi les traces de leur maître. Oui. Parce que Jésus, même étant les anges, on va lire un peu ce qui se passe dans Jean, chapitre 17. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Jésus, étant celui que Dieu a envoyé, et Dieu lui-même dans la chair, a fait connaître le nom de Dieu. Le prophète a dit, en ce jour des auditeurs, il a dit, quel que soit vous êtes, vous êtes tout, peut-être, je vous respecte. Mais c'est ce qui est de la parole qu'on doit dire. Si vous êtes venu là aujourd'hui, dites-moi le contraire de ce qui est écrit, qui est réel que les enfants de Dieu vont connaître pour mieux marcher avec Dieu. Il a dit par exemple, quand il parlait de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que quelqu'un prend ta Bible, peut-être la Bible de Jérusalem, ta Bible, tout ce que vous pouvez avoir. Prenez ça et donnez-moi le contraire. De quel baptême pourront baptiser les enfants de Dieu? Moi, je dis, selon la parole de Dieu, la révélation de Dieu, Dieu me dit de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom qui a été donné. Qu'on doit faire connaître aux enfants de Dieu. Alléluia. C'est la même chose. Vous qui êtes assis. Et c'est que il y a les anciens comme les nouveaux. Il y a ceux qui sont venus, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans. Peut-être à ceux même qui ont connu le message avant moi. Oui, il y a plein qui sont au temps. Un jour, il y a un, moi je ne connais pas. Il dit lui, il m'a vu venir dans le message. Et puis aujourd'hui, moi je suis devenu serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je peux enseigner? Je l'ai regardé juste là. J'ai dit, tu as ta Bible, il dit,
J'ai dit, celui qui a appelé la Paul autrefois, qui m'a appelé là, c'est sa parole que je vais enseigner. Si tu as la Bible, il faut regarder dedans. Celui qui a appelé la Paul autrefois, et que la Paul en parlait de sa part là, c'est lui qui m'a appelé. Et c'est sa parole que je vais enseigner. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ceux qui sont allés faire leur doctorat dans les écoles qui ont dit, qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Eux, ils enseignent les pensées des hommes. Amen. Mais c'est la seule qui aurait reçu la révélation de la parole. Comment va pouvoir vivre sur la route de Damas? Oh, et fort. Il dit, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Mais c'est par la révélation de celui qui m'a visité sur la route de Damas. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa parole qu'on m'a donné. Et Jésus a dit, je fais connaître ton nom. Ce nom qui a été caché dans les titres de foi. Ce nom était caché dans les titres. Quand Moïse va partir au peuple dans l'Égypte pour libérer le peuple d'Israël, il a dit, père, moi qu'est-ce que je pourrais dire? Qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je peux dire si il me pose la question? Il dit, Moïse, mon serviteur, si tu vas, dis au peuple d'Israël que c'est Dieu de leur père, le Jésus qui t'a envoyé. Alléluia. Le Jésus m'a envoyé pour faire sortir de l'Égypte et pour vous conduire à la terre promise. Ce même Jésus est descendu dans la terre. Et en lui était la parole. La parole était la lumière des hommes. Alléluia. Et ce nom qu'il a fait connaître. Avant de faire connaître ce nom. Après avoir fait le miracle, la Bible dit qu'il y avait des disciples qui étaient devant le dernier lui. Beaucoup comme ça. Ils le suivaient. Parce qu'il a fait le miracle, il a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. Alléluia. Il marche et puis il s'arrête. Et puis il les regarde. Il dit, mais vous me suivez pourquoi? Parce que j'ai multiplié le pain. Vous avez mangé. J'ai guéri vos malades. Vous étiez comme ça. Mais maintenant, vous allez manger ma chair et le sang. Amen. Mes frères, c'est comme nous sommes là aujourd'hui. Et puis on suit Jésus. Il a dit, mais vous me suivez pourquoi? L'autre a dit, non, quand j'ai prié, j'ai cherché du travail qu'il m'a donné. Il dit, c'est bien. Parce que Dieu m'a donné ça de vous donner. Mais maintenant, c'est vrai, tu es une femme, tu as trouvé. Tu veux me marier, je t'ai donné. Maintenant, tu vas manger ma chair. Et puis, tu vas boire mon sang. C'est là où Jésus a un problème, il y a un hic. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Et la Bible dit, il a donné un dos. Quand il y en a un derrière, il reste 12. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu dehors, il regarde derrière, il reste 12. Il dit, mais vous là, vous n'avez pas parlé, les autres sont où? Ah, ils sont partis. Mais vous là, vous n'avez pas parlé, ne parlez pas. Voilà le nom de Dieu. La révélation. Pierre a dit la parole, il dit, mais en qui irons-nous? Oh, alléluia. À qui irons-nous? Amen. Dieu. Toi en toi là, il y a la parole de vie. Cette parole qui me donne d'être heureux. Qui fait de vie, je suis dans la joie. Même si je n'ai pas l'argent. Mais je danse dans la rue. Même si je ne suis pas marié. Mais je danse parce que tu es le Seigneur.
Où je peux encore partir? Alléluia. Mon frère, est-ce que c'est cette révélation que tu as reçue? Et donc il y a des difficultés, tu ne peux pas vraiment te croyer en toi. Comme je dis, ne va pas devant des dénominations où les femmes vont te donner la pourriture. Est-ce que tu n'as pas dit que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. J'ai dit à un village à côté de nous, j'ai dit, toi et moi, on n'adore pas même Dieu. Si tu restes dans Mahomet, tu pourriras dans Mahomet. Il savait qu'on a été, il a connu, mais souvent de temps en temps, il me pose des questions. Et puis je vous la Bible, je lui donne. Il dit, tu vas connaître les choses pour connaître. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu restes dans Mahomet là, mon frère, tu vas pourrir. Maman est mort, il est pourri. Mais Jésus l'a ici. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, tu vas aller partout encore. Et c'est à lui là qu'il donne la parole. Cette parole dit quoi? Dans Jean 17 toujours, il dit, verset 8, il dit, car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Il les a reçues. Oui, on reçoit la parole. Première des choses, nous recevons la parole. Lorsque la parole est donnée, vous et moi, là où nous sommes assis, nous la recevons. Comme au temps de la Pentecôte. Ou bien a pris la parole et il a dit voilà de Jésus. Mais il y a une seule question qu'on va se poser. Ce que ceux-là ont posé. Oh frère, que ferons-nous? Est-ce que tu te poses la question? Ou bien quand tu finis de la poser, tu te retournes et tu dis non. Non, c'est la même question, la même chose. Ça ne veut rien. Alléluia. Il dit d'abord, répondez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça? Il dit, je leur ai donné ta parole. Et ceux qui sont mandatés pour donner la parole de Dieu, sont ceux-là à qui Dieu a mis son don et qu'il a donné sa parole. Oui, ils sont appelés à suivre les conseils, les exemples de leur Dieu, Jésus-Christ, qui a fait connaître le nom et qui a donné sa parole aux hommes. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il dit que j'ai donné du milieu du monde. Étant au milieu du monde autrefois, Dieu nous a donné sa parole. Et voilà ce nom qu'on a connu. Et on dit ce nom, on va le suivre. Et puis nous sommes sortis du monde. Vous et moi, nous voilà. Et il dit, vous allez boire maintenant son sang, il va manger sa chair. Alléluia. Alléluia. Mon frère, manger la chair de quelqu'un. Boire son sang. Ils sont là, ils ont dit non, il est devenu cannibale, mais quoi. Comment? Mon frère, cette parole que tu as là, là avant tu te trouvais, tu croyais que non, ce que tu faisais était bien. Mais lorsque tu vas faire la rencontre avec cette parole, qui est la vie de Dieu, va clarifier ton être entier. Amen. Et dans les tailleurs pour dire, là où tu es là, tu es penché. Donc ça te fait mal. C'est pas ça. C'est là la parole de Dieu. Et il a dit, c'est lui-même qui regardait une femme devant derrière a commis l'adultère. Même Moïse a dit, la loi a dit non, celui qui cherche la femme de quelqu'un. Mais moi je vous dis encore de plus. Ça là, c'est petit. Mais moi je vais vous dire là, si vous regardez une femme même pas derrière, une femme qui a dépassé, et puis tu tournes encore, et puis tu vas comme ça. Tu as déjà commis l'adultère. Amen. Alléluia. Amen. Ça commence. C'est pas ça? C'est... On continue. Donc la parole de Dieu,
vas pas être caché. T'as mon frère, c'est pas pour nous. Jean chapitre 3. Verset 34. Je fais la lecture. Quand celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ce que Dieu a envoyé, les paroles que Dieu a envoyé autrefois, en qui Dieu a mis son esprit, ils n'ont pas pris les sentiments pour dire non, comme c'est ma femme, mais comme c'est mon mari, ou bien c'est mon père, ou bien c'est ma soeur. Vraiment, tu peux faire ça en liberté. Dieu m'a dit, le jour où vous allez me connaître, moi je suis venu pour mettre la division entre fille et mère, entre fils et père. C'est pas ça? Ok. Donc ceux qui sont mandatés, à qui Dieu a donné sa parole, et sur eux il a mis son esprit, sont habilités à donner la parole de Dieu. Il ne doit pas faire le contour. Il ne doit pas faire la complaisance. Mais doit dire la parole que Dieu a donnée pour ses enfants. Pour mieux connaître Dieu. Dieu, on le connaît. Et si tu le connais, tu sauras. Et c'est lui de sa parole qui nous interprète pour dire, pour recevoir la joie. C'est-à-dire quoi, le reste de la vie, d'avoir la joie, d'avoir la paix. D'être dans l'allégresse, d'être content. Mais si les choses n'ont pas dit et que tu ne te pas content, Dieu va tourner vers ses serviteurs pour dire, moi je t'ai dit de donner la parole à mes enfants pour qu'ils soient contents, qu'ils ne donnent pas. Alléluia. Donc là, ça vient vers nous. Regardez un peu, il y a du bonheur ce témoignage. À Benyako, chaque année, quand nous sommes, quand je suis allé, j'ai fait bien le tour, ils disent que le mois est à la sécheresse. Dans l'eau, tu n'as rien plus dans les puits. Et puis il y a quelques puits où il y a un peu d'eau dedans. Donc tu prends un peu, et puis tu fermes un peu, tu attends. Et après ça vient, et puis les gens viennent puiser encore. Et les adorateurs de Baal, c'est-à-dire des autres dieux, ils ont commencé à prendre ça comme leur polémique pour dire non, Dieu est fâché. Et là, avant de dire ça, le chef du village, le conseil, sont allés pêcher dans leur eau. Or, il y a deux femmes qui adorent cette eau-là. C'est les féticheuses qui adorent cette eau. Bon, le chef du village, le conseil, ils ont pris un moteur, ils ont enlevé le puits, ils ont attrapé les poissons. Avec les jeunes qui étaient là ce jour-là, et puis ils ont partagé. Les chefs du village, les vieillards. Le matin, le lendemain, on dit, bon voilà ce que la féticheuse a dit. Elle dit que tous ceux qui ont mangé le poisson là vont mourir. Or nous, on a bien mangé ce poisson là, du bon coup. Voilà un frère qui court, il passe l'air. Ah, voilà quelque chose qui court, on dit, dans le village là, tous ceux qui ont mangé le poisson vont mourir. Il dit, mais, ce que Dieu m'a dit de manger là, il vient mourir comment? Il dit, mais tout ce qu'on va faire, sacrifice, que ben, si ça sera là, on ne va même pas avoir tout d'eau. Dans les puits, on va chercher l'eau qu'on ne va pas avoir. Il est un Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Mon frère, d'abord, l'histoire nous dit que dans ce temps-là, c'est là de la sécheresse. Mais Dieu va le confondre. Amen. Une semaine après, le dimanche, il va suivre, il doit faire une réunion pour voir s'il doit décider pour faire le sacrifice, c'est-à-dire payer deux moutons. Il fallait tuer ça au bord de l'eau. Je ne sais pas si c'est un mercredi. J'ai entretenu un frère, il s'appelle Guillaume, à l'église. Vers 11h midi, là, voilà le bout d'eau, le ciel qui tombe.
Amen. C'est qui était dans le village de l'île de dit, oh, Dieu nous a écoutés. Le soir, Dieu a dit, voilà les groupes du matin. Le soir, la pluie est descendue. Deuxième fois, il m'a fait, il a plu encore de plus. J'ai demandé, mais où est le sacrifice? On dit, ah, on ne comprend pas. Dimanche, je ne veux pas faire réunion. Ce qui a suivi, voilà une femme qui vient chez moi qui dit, vous devez prier pour mon fils. Parce que dans son sommeil, il est malade, c'est un fils qui est malade. Vraiment malade. Son ventre est gros comme ça. Pas parce qu'il est gros, mais son ventre est ballonné. Puis lui-même, il a maigri. Un lundi matin, un lundi soir, vers les 16h, il était là, et puis elle vient. Bon, comme ils connaissent Paul. Eux, ils font la belle, ils parlent en appel. Donc, quand ils parlent français, ils ne vont pas comprendre. Donc, d'abord, il a demandé après, elle a demandé après Paul. On dit non, Paul n'est pas encore venu. Et là, sœur Sabine a dit non, celui qui a dépassé là, c'est le pasteur. Elle est venue, elle dit ah, pasteur, c'est vrai. Elle parle à Père, à Sabine, et puis Sabine nous le dit. Il dit, bon, comme c'est comme ça, donc c'est le soir, on va venir. Donc, on est en train de prier pour son enfant. Mais le témoignage était rendu, l'enfant dit qu'il dormait, et puis Dieu l'a révélé. Parce qu'ils ont cherché partout. C'est les témoignages que ça nous a donné. Ils n'ont pas trouvé de grandes choses. Et si on se rappelle de la femme de 12 ans, qui a perdu son sang, elle a cherché partout, elle n'a rien trouvé. Mais c'est en Jésus qui s'est trouvé la solution. Amen. On leur a dit, nous sommes les cadeaux, que Dieu seul va faire son travail. Nous, on n'est pas là pour venir dire non, voilà les climats, voilà tant. Dieu nous a dit, j'envoie mes serviteurs et lui va confirmer sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous devez prier pour l'œuvre de Dieu sur Grand Yako. Mais d'abord, nous devons être heureux en gardant la parole de Dieu, en suivant la parole de Dieu. Nous prenons Hébreux chapitre 13, verset 17. Alléluia. Je fais la lecture rapidement. Excusez-moi aussi, comme j'ai oublié un peu les heures là, si il approche la route de Dieu pour m'informer. D'accord. Alléluia. Donc, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantageux. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Qui croit cela? Amen. Ok. Aujourd'hui, quand on veut rentrer dans les paroles de Dieu, comme Dieu nous adresse sa parole là, il dit, je dis. Mais quand on veut rentrer dans ça, il y a d'autres souvent qui trouvent des choses à dire, dit, vraiment c'est ceci, vraiment c'est cela. C'est pas cela. Paul même a insisté à dire à Timothée, il faut insister, il faut dire. Pourquoi les enfants de Dieu soient heureux? C'est pas honte de dire. Mais ce qui est souvent marrant, quand pousser les serviteurs de Dieu à être encore des mendiants, c'est ça qui n'est pas bon. Faites des serviteurs de Dieu des mendiants. Évitons pour que les paroles de Dieu soient bien véhiculées. Pour que les serviteurs de Dieu, les lire la parole, soient disposés, afin qu'en méditant de la parole, Dieu les révèle et dévoile vos cœurs pour que vous soyez dans la joie. Obéissez à vos conducteurs. L'obéissance de tout entier, c'est quoi? On n'a pas dit que vous n'obéissez pas à vos conducteurs. Mais vous devez faire encore de plus. Quand nous prenons la loi, Dieu a dit au peuple d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, ils n'ont rien à faire. C'est pas ça? Mais ce que vous allez faire dans votre champ, dans vos plantations, dans tout ce
cultiver, faire que ton œuvre leur parle dedans. C'est vrai, elle a dit, prémisse, les dons, les offrandes. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'obéissez pas, vous ne faites pas ce que la voix de Dieu dit. La Bible dit, ils vont gémir. Quelqu'un qui a sa femme malade, quelqu'un qui n'a pas mangé, ça fait une semaine, il va faire un jeûne forcé. Ça, c'est le plus vrai jeûne. Vous voyez, jeûner là, c'est dire prier. Il s'humilie. Mais si tu dois faire jeûne forcé, tu es en train de gémir. Ta femme est malade, tu es en train de réfléchir. Tu ne peux plus prendre la Bible pour méditer, pour chercher la face de Dieu. Si toi dans ta maison, tu es garni, tu es tranquille. Et puis tu appelles un pasteur. Vraiment, j'étais un pasteur, il faut venir prier pour moi. Bon, il est serviteur de Dieu, c'est vrai. Mais avant de te lever, il dit, Seigneur, donne-moi la force. Mon corps ne sait pas. Ah, vraiment, d'accord, je viens. Et puis il vient. Il s'est forcé d'abord de se débarrasser pour arriver chez lui. Il finit d'accomplir l'œuvre. Seigneur, parce que le Seigneur te bénisse. Vraiment, qui t'accompagne. Qui soit avec toi. Et puis, tu le mets sur la route. Et puis, tu regardes ton pasteur. Tu ne sais pas comment d'abord il va partir à la maison. Tu l'observes. Bon, lui aussi, il ne peut pas dire, paye mon transport. Il a dit, non, mon frère, il faut rester là. Je vais essayer de passer chez quelqu'un ici là. Et puis je vais arriver à la maison. Alléluia. C'est ce qu'il va dire. Hein? Il ne va pas te dire qu'il n'y a pas de transport. C'est pas ça? Ok. Maintenant, si tu l'obliges, et puis tu dis, donne-moi mon transport, donne-moi mon transport, il y a un taxi, il est parti à la maison. Tu as dit, il mendie. Ah, les pasteurs qui sont là maintenant, ils demandent l'argent. Hein? C'est pas ça? Mais évitons cela. Permettez avec nos serviteurs, ceux qui sont mandatés pour nous véhiculer la parole, ne gémissent pas. Ça fait partie de l'obéissance. La fois passée, poussée par le Saint-Esprit, le ministre de la parole, Adjori a parlé dans ça. D'abord, adorer Dieu. Dans les dix nouveaux offrandes, les prémices, les dons, il y a d'autres même qui ne croient pas aux prémices. Si tu ne crois pas proche, on va te donner la parole, tu vas comprendre. Et si parce qu'ils ont peur de payer la prémisse, ils t'attendent dedans. Tu t'attends dedans, mais c'est une malédiction, tu ne seras pas erreur. Dieu nous a dit de donner ta tête parole, tu es en train de travailler. T'as revenu comme il a dit dans le peuple d'Israël. Les premiers fruits de votre récolte, donnez-les à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, d'autres qui sont éclairés, ils ont dit, mais quoi Dieu ici? Mais en temps des de peuples d'Israël, il y avait Dieu était là, non? Mais c'était les hommes, ses serviteurs qui étaient là. Dieu nous les donnons. Et Dieu me les donne à ses serviteurs. Mais si tu arrives à marcher avec les moqueurs pour dénigrer ce que les serviteurs de Dieu ont te dire, et puis tu es guéri là-bas, tu n'arrives pas à pratiquer, ou même souvent tu veux te forcer, mais tu es en train de tâtonner. Il y a d'autres, souvent ils donnent une petite moitié, et puis cette moitié qu'ils donnent encore, ils viennent prendre. Vous dites, ah, pasteur, je vais attendre un peu, il faut me donner ça d'abord. Quand j'ai un problème, j'ai réglé ça, et après j'ai venu donner. Ton problème ne sera pas résolu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez, si vous allez voir, si je ne peux pas vous ouvrir la porte des écrits des cieux. C'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de l'homme. C'est écrit dans la Bible. Qui croit la Bible? Qui croit la parole de Dieu? Si je crois, j'ai la vie. Pour être heureux. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, celui qui médite la parole de Dieu, qui obéit à la loi de Dieu, il sera heureux. Amen. Si vous savez ces choses, vous serez heureux. Mais vous faites quoi? Pour que je sois heureux, je fais quoi? Il faut que je mette cela en pratique. Oui. Et donc, le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur,
Tu fais la volonté de ton père comment? Alléluia. Mes frères, revenons à la parole de Dieu. Enfin que la joie nous anime fortement. Sinon sans ça, on sera toujours en retard. Quand j'ai parlé de ça autrefois, il y a une soeur, elle a commencé à pleurer. Dis en appel. Pleurer en appel, amèrement. Parce qu'elle elle voyait qu'elle n'était pas heureuse, mais souvent elle se demandait, elle se posait la question. Mais elle ne fait pas sa dîme. Est-ce que dîme va donner ça? On fait quoi? D'abord, quand ils ont mis quoi, est-ce que c'est Paul qui va manger ma dîme? Moi, je vais envoyer ça à la porte, là, Paul va manger, non? Ça lui fait mal. Donc, elle ne fait pas sa dîme. Donne-nous pas les prémices de leur chant. J'ai dit, je ne suis pas venu pour mendier, mais je suis venu pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Si vous restez dans ça, que vous n'avez rien dit, Dieu va me demander le compte. Elle est arrivée à me dire, le lendemain, elle dit à Sabine, dis à pasteur vraiment, c'est Dieu qui a parlé entre eux. Elle dit, c'est Dieu, mais moi, je ne suis pas toi-même en règle avec ton Dieu. Dieu a parlé, et regarde ce que Dieu a dit. Mais ne me regarde plus, ne dis pas merci. Merci là-bas. Ça, c'est Dieu qui a fait son travail. Il faut pratiquer maintenant. Vous serez heureux pour vous que vous l'avez pratiqué. Pratiquez quoi? La parole de Dieu. Les commandements, les lois. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons faire, mes frères. Ne soyons pas les vieux chrétiens qui aiment discuter, qui aiment faire des controverses sur la parole de Dieu. C'est vrai, il a dit comme ça, mais c'est pareil ce qu'il avait dit. Et puis tu es là. La Bible dit que tu ne seras jamais heureux. Jamais. Il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur toujours donne sa parole à ses enfants. Mes frères, si tu veux être heureux, regarde dans ta vie. Comme le miroir. Tu vois les tâches. C'est-à-dire, la Bible est complète. Regardez, Jacques a dit, prends le miroir. Toi-même, l'objet que tu as de ta maison, ça doit t'enseigner. Le miroir te permet d'enlever les taches sur toi. La parole de Dieu, qui est le miroir des chrétiens aujourd'hui, nous permet de nous montrer des taches pour que nous arrivions à les enlever sur nous. Ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu te montre cela. C'est ça. C'est ça. Prenez la parole de Dieu. Prenez ceux souvent qui discutent, les soeurs qui discutent. Prenez les chevelus. Prends la parole de Dieu. Comment je dois me comporter pour que je puisse glorifier le nom de Dieu? Il y a d'autres qui portent collant encore. Mais tu portes collant. Collant. Et lui, on voit. Mais collant la parole. Tu mets un bas de ton pain. La Bible dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu caches Dieu, moi. Collant, c'est quoi? Vous voyez, vous-même, les soeurs qui portent, ceux qui montent, elles portent, non? Elles portent. Hein? Maintenant, je suis chrétien. Je dis, je suis du message. Et la parole de Dieu me parle de ça. Je suis chrétien, je suis du message. Et puis, je dois emmener ma chevelure, comment? Pour que Dieu soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit manifesté. Et puis moi je marche. Et puis moi je me fais. Ça, c'est pas, non? Je suis du message. Le message là, te dit quoi? C'est la parole de Dieu. Mes frères, nous ne discutons pas la parole de Dieu. Si on dit Amen, c'est la vie. C'est vrai, ça sera dur. Mais tu seras heureux. Et puis heureux. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne.